Good morning, Alaïdan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Maurice, Mahlouf ben Sultana, Mahlouf Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachmou, Avraham Chayon ben Matfortune, Mazal Dov ben Yudit, Yaakov Nizim ben Chana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Meila, Perek Vav Mishnah Bet. Shalach ve yadchere shote ve katan, im asush lichoto ba la bait mal, lo asush lichoto achen vani mal, shalach ve yad pikeach, ve nizkar ad shelo yigia et salachen vani. On a introduit dans la Mishnah Aleph la notion de Shaliach, Lidvar, Avera dans Meila. Je m'explique. De manière générale, dans la Torah, on peut faire plein d'actions avec un Shaliach, un émissaire, un intermédiaire. Un émissaire qui va faire. On avait rapporté toutes sortes de kinyanim, toutes sortes de choses que je peux accomplir, même plein de mitzvot que je peux accomplir aussi. Je parlais avec quelqu'un pour faire un pidyon aven. Le Moël qui fait le brit mila, le père le nomme shaliach, parce que le père a un devoir de faire la mila, mais il peut aussi nommer quelqu'un qui va faire la shlichut pour lui. D'accord? Un gros sujet en général, dans quel type d'action pour envoyer un shaliach ou pas, mais là n'est pas notre propos. Pour les averos spécifiquement, la Torah nous a dit, shlichut ne marche pas. Selon le principe, divra rav, divra talmid, divra mishomim. Ouais, t'envoies quelqu'un pour voler, t'envoies quelqu'un pour tuer, c'est lui le voleur, c'est lui le meurtrier, et c'est lui qui sera condamné, et toi, il y aura un petit compte. Bachamaim, la Gemara dit, ça s'appelle Dina Rabba Dina Zoutar, la Gemara Kinushin, il y aura quand même un petit règlement de compte avec lui, mais en tout cas, pas aussi violent, c'est pas lui le meurtrier. C'est pas l'envoyeur, c'est le Shaliach lui-même. Il y a une exception à la règle, il y en a un peu plus, mais une d'elles, en tout cas, c'est ici l'interdit de Meila. Meila, j'ai de l'argent, j'ai une pièce de 10 shekels. Je donne 10 shekels à quelqu'un pour qu'il aille m'acheter du lait à l'épicerie, au supermarché. Il va, il achète du lait. Je transgresse l'interdit de Mila. Bien que je n'ai pas accompli moi-même, je n'ai pas fait l'acte, moi, de prendre la pièce de la pièce avec l'achat et de la sortir. Malgré tout, je transgresse l'interdit de Mila. Hier, Shaliach Lidvar Avera, on avait rapporté hier dans l'émission précédente deux sources. Parce que c'est très traite de Trouma, c'est une Gzera Shava avec Trouma. C'est un pasouk spécifique sur la Meïla. Maintenant, de manière générale, dans la Torah, on ne peut nommer un shaliach que un bardat, quelqu'un qui est intelligent, qui a de la jugeote, qui a une conscience normale, qui est quelqu'un de réfléchi. À exclure, Kheresh Shoteh Vekatan. Kheresh, c'est le sourd depuis la naissance. Donc il n'a pas communiqué avec l'extérieur, son cerveau ne s'est pas développé. Choté, c'est celui qui a perdu la raison. Et Katan, c'est le petit qui n'a pas encore eu de raison. Ces trois personnes-là, eh bien, leurs actions, en général, ils ne sont jamais responsables de leurs actions. Et de ce fait, ils ne peuvent pas être chaliach en général. C'est-à-dire, si je vais envoyer un Kheresh Choté avec Katan, un fou, pour marier une femme, il va lui donner de la pièce, il va lui donner une pièce, il va bien faire l'action qu'on l'a demandé. Il va donner la pièce à la femme et va dire « Arrête mes coups d'échette pour le moi ». Elle ne sera pas mariée parce qu'il n'est pas apte à faire l'action. Exception à la règle, maintenant, ce qu'on va découvrir tout de suite. Sur la Meïla, la Mishnah enseigne « Shalach beyad re'eshoteh vekatan ». Il a envoyé une pièce de Meïla, donc les 10 shekels, il les a donnés au sourd, au fou, au petit, pour aller acheter donc du lait. Il est parti à l'épicerie, il a donné les 10 shekels. Eh bien, im asush lichoto bala bait mal, grand chidouche de la Mishnah, que s'il a accompli mon action, c'est moi qui ai transgressé l'interdit de Meïla. L'envoyeur a transgressé l'interdit de Meïla. C'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, c'est assez délicat comment expliquer ça. Je vous donne une idée du principe du Tosotium, du Tiferet Israël. Il dit quelque chose, ça aide à un peu plus comprendre le principe. De manière générale, autant qu'on ne peut pas. Le chen acheté avec Katan, il a un statut d'animal. Rien de plus, le pauvre, il n'a pas d'idée. Qu'est-ce qui différencie l'homme d'un animal? Le date. S'il n'a pas de date, ben le pauvre, c'est redevenu un animal. C'est un singe. D'accord? Il va pouvoir, il a une allure d'homme, plus ou moins. Il fait plein de choses. Il grimpe aux arbres, il rigole. Mais il n'a pas de. Il n'a pas du jeu de corps. Il n'a pas de sechel. D'accord? Et selon ce principe. La Mishnah, en fait, elle écrit explicitement le Tiferet Israël. Si ça marche d'envoyer un Kheresh Shoteh Vekatan, ça marche même d'envoyer un singe. C'est-à-dire, si j'ai un singe très doué, un bon pigeon voyageur même, prenez un pigeon même, je vais, je lui
Je lui dis, je l'ai dressé pour qu'il aille à la Makolet, il donne et dit Jacques, il récupère le sac de lait, je l'ai bien dressé, il fait ça tous les jours. Et puis un beau jour, je lui donne la pièce de la Meila, de la pièce qui est Ekdesh, je lui donne, il descend à la Makolet et il récupère le. Eh ben, j'ai transgressé l'interdit de Meila par l'intermédiaire du singe. C'est un grand chidouche. Et en fait, ça va justement dévoiler qu'en réalité, la shlichut dans la Meila, c'est pas exactement que c'est mon chaliar, parce que ça ne peut pas être mon chaliar. C'est qu'en fait, dès que je suis moi le détonateur de la pièce de Meila qui va, la pièce ou l'objet qui est Kadosh, qui va être sorti donc par mon accord, par mon soutien, parce que je cautionne et parce que je pousse l'action, et bien c'est moi le responsable. Je suis le fautif et je transgresse l'interdit de Meila. Ça implique que c'est moi qui vais devoir rembourser. Au Higdesh, c'est moi qui vais devoir rajouter le cinquième et c'est moi qui vais devoir apporter le Korban Meila. Fin de la première partie de la Mishnah. Donc, Imasush Lichoto Balabait Mal. Maintenant, grand chidouche, ou grand ou pas grand, Lo Asush Lichoto Achen Vanimal. Si toutefois, ils n'ont pas accompli leur Shlichut, cette fois-ci, figurez-vous que c'est l'épicier qui transgresse. Waouh, c'est violent. Vous avez compris l'histoire? J'ai envoyé donc un Très Réchauté des Katan avec une pièce de la Meila, une pièce qui est Kadosh. Je l'ai envoyé pour acheter du lait. Il est parti. Au lieu d'acheter du lait, il a acheté du lait chocolaté. Donc, il n'a plus fait ma shlichout. Et la Mishnah enseigne, mais tu sais quoi? C'est l'épicier maintenant qui va transgresser l'interdit de Meila. Bon, précision super importante. L'épicier ne transgresse pas tout de suite l'interdit de Meila. Il transgressera l'interdit de Meila lorsque lui va dépenser la pièce ensuite. Il a récupéré une pièce maintenant qui est Kadosh. Lorsqu'il va utiliser cette pièce pour acheter autre chose lui-même, eh bien, alors il transgressera l'interdit de Meila. Et le principe, il est très simple en fait. Ça paraît étonnant, mais c'est pas du tout étonnant. La pièce de Meïla, c'est une pièce qui est Kadosh. Dès qu'on va l'éloigner, dès que le Hekdesh à cause, on va l'utiliser pour la dépenser, donc on va l'éloigner du Hekdesh davantage, eh bien on l'éloigne plus, donc on transgresse l'interdit de Meïla. On la dépense pour recevoir une contrepartie. Même lorsqu'on ne fait pas exprès, même moi-même, si j'avais su, on parle de la Meïla mieux que ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, mais la Meïla, hein, l'interdit de Meïla, on le transgresse essentiellement et surtout, même presque uniquement, lorsqu'on est béchogeg, lorsqu'on ne fait pas exprès. Or, lorsque je ne fais pas exprès, c'est si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Et malgré tout, tu l'as fait, tu transgresses. C'est-à-dire, imagine, j'ai une pièce de 10 shekels du Kdesh. Je me suis trompé, je l'avais mise dans la poche de droite, et puis dans la pièce de poche de gauche, j'avais la bonne pièce. Et puis le chaliar, il est venu, je lui ai donné la pièce de droite. Je me suis trompé. En réalité, j'avais aucune envie de dépenser cette pièce. Mais puisque concrètement, cette pièce, on l'a utilisée, on l'a dépensée, on a pris en contrepartie, on a pris donc l'objet, le lait, pour rester sur notre exemple, eh bien, ça y est, tu as transgressé l'interdit de Meïla, tu as pris la pièce du Hekdesh et tu l'as dépensée. Même si tu étais béchoveg. De ce fait, le Renvani, lui, l'épicier, le supermarché, lorsqu'il va recevoir cette pièce, lui, bon, alors, c'est sûr, il voulait pas la recevoir, il ne transgresse pas encore l'interdit de Meïla. Je ne transgresse pas tout de suite interdit de mail là. Mais lorsqu'il va prendre ensuite cette pièce et il va la dépenser, tu as pris une pièce qui était Kadosh et tu l'as dépensée. Tu as apporté un korban, tu as transgressé une Avera. Mais Shogeg, tu as été trompé. Mais même lorsqu'on est induit en erreur, on transgresse. Et on est passible d'apporter un korban. C'est pas grave, il va pas mourir, Mina Shamaim, ne vous inquiétez pas pour lui. Mais quand même, apporter un korban, c'est une réalité. Il a transgressé une Avera. Comme ce qu'on a appris dans Kritout. Ouais, il s'est trompé de femme, il est parti avec une femme qui était Nida, peu importe. T'as transgressé, même si c'était pas fautif. On t'a induit en erreur, peu importe. T'as fait une avéra, il faut réparer. Ok? Donc là, il manque en fait une halakha entre les lignes. C'est que, je le dis tout de suite, même si c'est déduit de la suite, mais elle est vraie, quoi, comme halakha. Donc, si j'ai envoyé un vrai chaliar, on reprend la scène. J'envoie un chaliar, il achète ce que je lui ai demandé, je transgresse. Il achète pas ce que je lui ai demandé, le chaliar transgresse. C'est ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Le chaliar, il n'y a personne à qui parler, c'est un Chere Shoke de Katan, c'est un. Concrètement, halakhiquement, c'est un petit singe. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le Chenvani qui sera Chayav quand? Pas tout de suite. Quand il dépensera la pièce ensuite. Ok? C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et je continue tout de suite la suite de la Mishnah. Shalach Biet Pikeach. S'il a envoyé la pièce avec un Pikeach, avec quelqu'un de normalement constitué, quelqu'un de sage. Et ensuite quoi? Je me suis souvenu, et l'envoyeur s'est souvenu qu'il s'est trompé de pièce
tant que l'émissaire n'était pas encore arrivé chez l'épicier. Donc, j'ai pris la pièce, je reste avec mon exemple, d'accord, la pièce de droite, kadosh, gauche, chol. J'ai voulu acheter du lait, je me suis trompé, j'ai donné la pièce de la poche de droite. Et il est parti maintenant au supermarché. Pendant qu'il part, une minute après, je réalise l'erreur. Je tâte ma poche et je réalise, je lui ai donné celle de droite, celle qui était kadosh. Alors maintenant, un problème. Je traduis d'abord la mitzvah pour qu'on explique. Donc, si je me suis souvenu, tant que la personne n'est pas arrivée chez l'épicier, ben, l'épicier, il transgressera l'interdit mais là lorsqu'il dépensera cette pièce. C'est-à-dire que pour le moment, donc je reprends la scène, je lui ai donné la pièce, je me souviens, le Khenvani le reçoit, il n'y a pas encore eu d'interdit de Meïla. Apparemment. Et le Khenvani transgressera. La pièce Khenvani, c'est Khanout. Khanout Khenvani. Le Khenvani transgressera l'interdit lorsqu'il dépense ensuite cette pièce. Ok, maintenant. Il faut bien préciser, il y a un petit problème entre ce qu'on a dit et ce qui est vrai. Il y a le chaliar au milieu. On a dit que c'est un chaliar piquéar. C'est-à-dire. En fait, je vous dis tout de suite à la route. Rapporté dans le Barthénora. Si j'envoie l'émissaire. Le chaliar, avec la pièce qui est kadosh. Je me souviens avant que le chaliar la dépense. Si le chaliar ne se souvient pas, ne réalise pas qu'il est en train de faire une avéra, eh bien le pauvre, figurez-vous que c'est le chaliar qui va transgresser l'interdit. Le chaliar, c'est lui qui va transgresser l'interdit de Meïla. Il y a une grande règle d'abord que j'ai oublié d'introduire, maintenant je le dis, on ne transgresse pas d'interdit de Meïla quand on est bémézide. L'interdit de Meïla, c'est que quand on est béchogeg. C'est-à-dire, lorsque béchogeg, l'interdit de Meïla quand on dépense de l'argent. L'interdit de Meïla de devoir apporter un corban, parce qu'on est transgressé, et c'est que quand je suis Béchogeg. Donc si je suis Bémézide, il s'avère que je ne transgresse plus l'interdit de Meïla. En l'occurrence, dès que je vais réaliser, il y a Rebecca Weger qui explique un petit peu mieux même, qui explique que même, j'ai même plus envie de dépenser la pièce. Il s'avère que lorsque je vais réaliser, je peux faire d'ailleurs ce chat, il est plus facile à expliquer, lorsque je vais réaliser que je me suis trompé, que je me suis trompé de poche et j'ai envoyé la bonne pièce, je ne veux plus que mon émissaire il va dépenser cet argent. De ce fait, il n'est plus mon chaliar. J'ai annulé la shlichut. J'ai annulé la shlichut par le simple fait que j'ai réalisé l'erreur. De ce fait, c'est le chaliar, le pauvre, qui est en train de tout faire maintenant comme erreur. Donc c'est le chaliar qui va transgresser l'interdit de Meïla. Si le chaliar lui-même aussi réalise l'erreur, mais il se dit, bon, moi, il m'a envoyé, c'est son problème à lui. Donc lui, le chaliar lui-même, il a réalisé l'erreur. Alors là, on se retrouve que l'envoyeur et l'envoyé, les deux, ne transgressent plus l'interdit de Meïla. Donc, le Khenvani du supermarché, il reçoit la pièce sans que personne transgresse l'interdit de Meïla. La pièce, elle reste dans sa doucha pour le moment. Il ne transgresse pas l'interdit de Meïla lorsqu'il la reçoit. Lorsque lui-même va ensuite dépenser cette pièce, il transgressera alors l'interdit de Meïla. Ok ? Fin de la Mishnah, maintenant, c'est Keitzad Yaseh. Moi, maintenant, on reste sur le cas que j'ai envoyé. Deux interprétations. Le Bartender n'explique pas comme ça, mais j'explique comme ce que le Tiferet Israël explique. Ça englobe tous les cas, en réalité. Je traduis d'abord, comme ça, on est tous d'accord. Keitzad Yaseh, comment procédera-t-il? La question qui? Le supermarché ou l'envoyeur? C'est là la petite nuance. Comment fera-t-il? Eh bien, Notel Puruta Okli, il faudra qu'il prenne une autre pièce ou un ustensile. Et Veyomar, il dira, Pruta shel Ekdesh bechol makom shei, la pièce de Ekdesh, là où elle se trouve, mechulelet alzeh, elle est profanée, je transfère sa gdusha sur celui-ci. Shel Ekdesh nifde bekesef ou bishvei kesef, parce que le Ekdesh, tout ce qui est kadosh, on peut le racheter, on peut racheter sa gdusha sur une pièce ou même sur quelque chose, n'importe quel objet qui a une certaine valeur, du shavei kesef. Et on explique, il y a deux manières de lire la Mishnah en fait. On peut expliquer ça de manière très logique et chronologique dans la Mishnah, qui consiste à dire que il y avait donc j'ai envoyé l'émissaire avec la pièce. Pendant qu'elle est partie, j'ai réalisé mon erreur. Maintenant, moi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des bons juifs qui vont transgresser la verrote à cause de moi. Donc je réalise que j'ai la pièce à gauche ici, et moi, je vais dire, oh là là, avant qu'il transgresse l'interdit de Meïla, tout de suite, je dis, la pièce qui est en ce moment chez mon chaliar, là-bas, je transfère sa gdoucha sur ma pièce qui est là. Et j'ai réussi à sauver toute l'histoire. La gdoucha, elle a été transférée sur cette pièce, et maintenant ils vont pouvoir dépenser l'objet. Mieux que ça, j'ai pas de pièce sur moi. J'enlève ma montre, je prends mon stylo, mon téléphone,
Ça vaut au moins 10 shekels. La gdoucha qui se trouve là-bas, je la transfère sur mon téléphone. Et comme ça, ou partiellement au moins, parce qu'il y a la valeur de 10 shekels qui rentre dedans en tout cas. Comme ça, maintenant, mon téléphone, il est devenu kadosh. Attention, s'il sonne, je ne pourrai plus répondre. Ouais, parce qu'en ce cas-là, j'ai utilisé ce qui est devenu kadosh. Pour le moment, la gdoucha, elle est fixée ici. Après, je la ferai transférer ailleurs. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Tu peux racheter le Hekdesh sur de l'argent ou sur même un objet. N'importe quel objet, tu peux décider. Ça, c'est l'interprétation. Selon, pas que le Tiferet Israël, c'est la même réalité rapportée par, je ne sais plus, je l'ai vu encore, le Melechet Shlomi rapporte ça au nom de Rashi, au nom de Tussot, et même le Rambam dans le Yad HaChazaka. Mais le Rambam ici, en l'occurrence le Bartanoura, il va selon le Rambam du Pirush Mishnayot, il explique un peu différemment, mais ça revient au même. C'est juste moins aiguisé. On parle que c'est le Renvani, c'est le propriétaire, c'est le supermarché, enfin l'épicier, lorsqu'il va recevoir la pièce. Si toutefois il va apprendre que cette pièce elle est kadosh, alors il pourra. Ah, et mieux que ça, et on parle aussi d'un cas où après il a pris cette pièce, il a mélangé maintenant dans sa caisse. Vous imaginez la grande galère? Ouais, on remet la scène. Le Meshaleach, il a pris la pièce de Hekdesh, il a donné au Shaliach. Le Shaliach, il est venu, il a acheté. Le Chenvani, il a pris la pièce, il a mis dans sa bourse, dans sa caisse. Maintenant, il a plein de pièces dedans. Pour le moment, le Chenvani, personne n'a transgressé à l'intérieur de lui. Il a les deux parce qu'il le savait, et le Chenvani parce que pour le moment, il n'a pas dépensé la pièce, il n'a fait que la recevoir. Maintenant, il a un problème, le pauvre Chenvani. Il a toute sa recette d'une semaine qui est toute mélangée, il a une pièce qui est kadosh dedans. Comment il va faire? Vous imaginez la zut? Il y a une pièce qui est kadosh là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va plus l'utiliser, il ne va rien utiliser, il va faire quoi? Bitul Berov, ça ne marche pas, Bitul Berov. Il a une solution très simple. Apporte une autre pièce. Et tu dis, la pièce de Hekdesh qu'elle se trouve là où elle est, je la transfère sur ça. Tu n'as pas de pièce qui est Hekdesh? Prends ce téléphone. La pièce là où elle est, je transfère cette doucha sur 10 shekels de ce téléphone. Et comme ça, tu vas pouvoir ensuite utiliser toute ta caisse et tu récupéreras les 10 shekels. Tu les transféreras de nouveau sur un autre objet. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.